Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K19. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous remercie. Pour ceux qui ne le savent pas, ce soir, mais non, en fait, plutôt demain soir, parce que j'ai l'habitude de mettre les vidéos le dimanche, mais là, je vais répartir ça en deux jours. Comme ça, il y aura 3 vidéos le samedi, 3 vidéos le dimanche. C'est mieux que d'avoir 6 vidéos le dimanche, voilà, c'est un petit peu compliqué sinon. Mais bref, c'est SummerSlam, le pay-per-view qui commence à 1h du matin, heure française. Sauf si vous voulez suivre le kick-off, qui est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE. Ça commence à 23h, 2h de kick-off. Il y aura pas mal de choses. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui sera, voilà, en mode kick-off. Mais bon, au fur et à mesure, on va en apprendre un petit peu plus. On va commencer ce pay-per-view avec tout simplement le match qui oppose Goldberg face à Dolph Ziggler. Pour savoir pourquoi j'ai pris lui, etc., bah, je vous renvoie sur la vidéo pronostic. Voilà, je vais pronostiquer tout ça. On se retrouve dans quelques instants, une fois que le combat sera commencé. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous, mes petits loups, de pronostiquer en commentaire qui, d'après vous, bah, va remporter ce combat en vrai et durant cette vidéo. Et bien entendu, attention... je voulais dire quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Ah oui, si vous voulez laisser un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça mange pas de pain. Merci beaucoup à ceux qui laisseront un like. J'ai voulu commencer par ce match, je sais pas pourquoi. Faut bien commencer par un commencement. Par contre, Dolph Ziggler, tu te fous un peu de ma gueule. Hein. On va se calmer. Et j'ai pris Goldberg parce que je le vois vraiment pas perdre face à Dolph Ziggler. À part si c'est un moyen pour rendre Dolph Ziggler, on va dire, plus vénère. Enfin, dire en gros. Voilà, la prochaine fois, la personne qui va l'affronter, ça va être chaud pour lui. Je sais pas. Moi, je vois tellement pas Goldberg perdre. Ça me paraît assez improbable. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est sûr de rien. Voilà. Ça, c'est mon pronostic. Vous aurez le vôtre. Je compte sur vous pour ça. Attention, voilà. Goldberg, il prend un peu plus de temps pour monter à la troisième corde. Attention, le saut. Voilà. Ça fait mal, ça. Il a vraiment pris un bel appui. Je pensais qu'il m'aurait contré. Ou qu'il aurait fait une esquive. Eh bien, pas du tout. Il s'est foutu de moi tout à l'heure. Bah ça, à mon tour, hop là. Et voilà. Petit enchaînement. Empêchement, j'allais dire. Non, on n'a pas d'empêchement. Tout va bien pour le moment. Et non. Ouh, j'étais quasi sûr d'avoir contré. Comme quoi, il faut jamais se fier à ce qu'on croit. Parfois, on va se dire, bah tiens, on domine, tout va bien. Et finalement, pas du tout. Non, non, par contre, c'est bien, Dolph Ziggler. Hein, ce que tu fais. Mais non. Yeah. Comme ça, on fait déjà. Hop là. Là. C'est une question de puissance. Je t'ai dit, c'est une question de puissance. Allez. Nous aussi, on va faire des tombées. Pour que ça fasse réaliste, c'est vrai que... Enfin, j'ai pas mal de défauts. Mais pour moi, mon plus gros défaut, c'est que je fais pas assez de tombées. Bah, en fait, j'y pense pas. Pour moi, je me dis... Bah, il faut que je fasse le tombé uniquement quand je suis sûr de réussir. Non, non, c'est bon, calme-toi. Pourquoi je dois me relever? En plus, ce qui est cool... Elle nous a mis une patate, on est parti à l'ouest. Voilà. C'est le cas de le dire. Voilà, il a bugué ou pas? Pensons qu'il a bugué. Aurais-tu bugué, Dolph? Ouais, je pense qu'il avait... il a eu un souci. Voilà. Aïe, aïe. Et ben non. Hop là. Enfin, tu vois, c'est des trucs que tu vois souvent dans l'UFC. Le petit retournement, là... Ça va tellement vite. Enfin, malheureusement, voilà. Là, je fais que Goldberg n'est pas aussi vif qu'à l'époque. Ça serait bien de se dire, ah bah tiens, t'es des petits cross-up à l'époque, de faire combattre une superstar des années 90. Maintenant, en mode, bah t'es comme s'il était frais, on en peut voir des belles choses. Mais bon, après, c'est pas forcément possible. Non. Bien joué. On a un petit peu de mal sur les contres au niveau... qu'on est assis. Voilà. Là, il faut que je le contre, sinon on est vraiment très, très... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Hop là, coup derrière le dos. Derrière le dos. Mmh, ouais. On va dire que c'est OK. Ah, j'étais sûr de l'avoir contré. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il est là pour nous rappeler que ça va pas être aussi simple. Au moins, j'ai un finisher. Je sais que j'aurais pu lui faire un petit spear tranquillou. Mais je préférais attendre un petit peu. Allez, voilà. Grosse prise. Voilà. Prends ton temps. Bien joué. Avec le tombé qui s'enchaîne. Sa robe break. C'est vrai qu'il a des longues jambes de Dolph Ziggler. Tiens. Ça fait mal. Dis-moi ce que t'en penses de ça. Ouh, bien joué.
Là, le rythme qu'on a, je pense que c'est le rythme qu'on aura durant le match. Hein. Un rythme assez lent. Voilà. Aïe, aïe. Ça, ça fait mal. Dodo. L'enfant d'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Oh, mais non. Comme par hasard. J'étais sûr que ça allait fonctionner, ce coup-là. Attends, j'ai mal. Je te dis, j'ai mal. Laisse-moi tranquille. Ça va. Ce qui est bien avec Goldberg, c'est qu'il va assez vite quand il veut récupérer. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait mal ou pas? Ouais. C'est pas si mal que ça. Il me contre facilement. Moi aussi, je le contre. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. La petite bafounette. Voilà. Devant le public, il doit bien être content, celui qui a payé sa place. Pas mal de centaines de dollars, voire milliers de dollars. Ah ouais. Ça ne fonctionne pas. Et non, que j'ai contré, hein. Ah ouais. Tu veux me soulever? Ce sera pas aussi simple, forcément. On récupère un peu. Ouais, elle est vénère. Je sens que là, ça va être chaud pour lui. Attends, c'est en courant qu'il fait son spear, ça, ouais. Ah oui, ok. Je pensais en fait que son spear était son finisher et pas son attaque spéciale. Bon, bah c'est pas grave, c'est pareil. Non, ça se contre, ça. Ah, ça fait mal. Oh, ça picote. Oh, ça picote. Oh. Au moins, de façon, en tous les cas. On a une révolte. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Non, s'il te plaît. Ouais, j'avoue, j'ai appuyé un peu trop tôt. Allez, profite de moi, là. Non. Ouh. J'ai pas utilisé la révolte. J'utilise ou pas. J'ai un peu paniqué. En plus, il est en sang. On sait tous que quand on est en sang, on a la vision qui est troublée. On sait pas trop ce qui se passe. Dolph va en profiter, vous voyez. Ah, ça fait très très mal. Ah, tu te la pètes, hein. Tu vas voir comment je vais te le contrer, celui-là. Regarde bien. Hop là, j'ai dit quoi? Bon, ok, j'ai tenté une prise. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, coup de chassé. Ça m'a fait mal de le dire. Attention, spear. La puissance, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça fait mal, ça, hein. Tu sais que tu souffres. T'inquiète pas. On va prendre notre temps. On récupère un peu, c'est parti. Ok, c'est pas grave. On a dit, c'est parti, ok. Voilà. On sait tous qu'il aime bien faire ça. Le petit coup, ça, ces coups-là, j'aime pas trop. Tu vois, après chacun aime ce qu'il aime, bien entendu, mais... Oh, bien joué. Je m'attendais pas du tout au contre, là, j'étais sûr que ça allait passer. Ah, mais non, là, j'étais sûr de contrer. Ah, monsieur l'arbitre, dites au jeu que je ne suis pas d'accord. Non, mets-moi pas au milieu. Ok. Tu oses faire ça? Est-ce qu'on va pouvoir... Attends. Et là, j'ai encore joué avec le feu. Là, j'ai joué avec le feu. Ouais. Si je le contre, on gagne. Si je le contre pas, on perd. Et comme ça a été contré... Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Allez, c'est parti. Let's go. Oh là, mais il ne voudra pas me laisser, hein. Tiens. Et bim. Ça fait mal, ça. Par contre, pour cette deuxième fois... Tu vas te laisser faire, ok. Vas-y, prends ton temps. Attention. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, qui intervient encore? Qui va venir? S'il vous plaît. Roussev. Pourquoi pas? Ouais, il vient juste pour le distraire. Est-ce que, à cause de ça, on va perdre le combat? Ok. Très bien. Tiens. Oh non. Voilà. Oh mais non. Allez, j'ai mis autant de contre en si peu de temps. Ah là, j'étais quasi sûr que ça allait passer. Roussev, qu'as-tu fait? Pourquoi es-tu venu? Enfin, je dis ça,
N'importe qui aurait pu mettre son entrée et tout, et voilà. C'est bien du Dolph Ziggler, ça. C'est pas impossible. Ouais. Tu vas voir. Tu vas te prendre un spear. Mais un spear, tu vas rien comprendre. Prépare-toi. Hein. D'accord, tu veux que je me lève? Pas de soucis, tu vas voir. Voilà. Vas-y. Bien joué. Et là. Non, mais c'est bon, monsieur l'arbitre. Hein. C'est bon. Je me mets en position pour mon spear. Mais quoi qu'il arrive, je vais le dégommer. Je vais le couper en deux. Je vais le couper en deux. C'est fini. Ah ouais, là, c'est fini. Il se relèvera plus. Croyez-moi. 1, 2 et 3. Victoire de Goldberg face à Dolph Ziggler. Je pense que c'est la logique. Après, on verra pour ce combat. Franchement, j'ai hâte de le voir parce que je me demande ce que ça va donner. Les petits loups, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. Big pinfall victory here tonight. Wow, when you pick up a pinfall victory over somebody like that, you've done something right. What a matchup that was. Truly incredible.